voilà, donc nous sommes avec deux membres de Super Scream. Déjà, bonjour, merci. Bonjour. Donc, ma première question, on ressent très fort vos influences progressives, mais pourquoi vous appelez du progressif décomplexé, décontracté? Pourquoi? Ah ben parce que on a essayé d'ajouter une entre guillemets une partie humour et on n'a pas trop envie de faire forcément des photos super classiques avec les mecs qui croisent les bras et tout ça comme on peut voir beaucoup dans les groupes de prog. Donc il y a vraiment la part de musique qui est importante et de virtuosité qui nécessite du travail et qui nécessite du sérieux. On a voulu intégrer aussi le côté hard rock et le côté scénique, le côté décomplexé dans l'attitude scénique et aussi dans les clips et aussi dans le visuel. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on emploie le mot décomplexé. Parce que justement, je suis très amateur de prog. Jouer du prog, c'est pas donné à tout le monde, et félicitations parce que vous le faites très très bien. Donc, je crois que le musicos qui joue du prog, il sait vraiment bien jouer, quoi. C'est pas à portée de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je me permettais cette question, quoi. Donc comment c'est vous êtes venu cette idée d'écrire The Engine Cry? Bah, en fait, déjà, c'était à la suite du premier album Some Strange Heavy Sound. Voilà, où on avait déjà eu un petit peu de retour positif vis-à-vis de la presse et tout ça. C'était un album qui était un premier album et qui n'était pas forcément un album prévu comme un album de groupe. C'est-à-dire qu'à la base, c'était moi qui avais écrit tous les morceaux sur mon ordi. Je jouais avec Eric dans un groupe qui s'appelle Darjeeling et puis on s'appréciait vraiment artistiquement et humainement. Et donc du coup, ça a découlé sur le fait qu'on fasse ce projet ensemble. Et puis bah, de fil en aiguille, on s'est dit « Ah bah le disque, il est cool, on aimerait bien le jouer en live, etc. » Donc du coup, ça a découlé sur l'aventure Super Scream, avec le groupe et tout ça. Et puis bah, après, forcément, on a eu envie d'un deuxième album, mais en essayant de faire tout en mieux. C'est-à-dire que la production soit meilleure, que le son des guitares soit meilleur, que l'écriture soit meilleure, que, enfin voilà, de progresser vraiment à l'intérieur de ce projet. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire sur ce disque. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le côté marketing. Parce que l'air de rien, quand on voit vos teasers, ils sont super bien faits, vos teasers, quoi, qui donnent envie de s'intéresser encore plus à vous, quoi. Alors ça faisait partie des choses qu'on voulait faire en mieux. C'est-à-dire que comme à la base, c'était pas un projet où on avait prévu forcément qu'il y ait autant d'écho de la presse sur le premier album, on s'est dit en fait on n'a pas fait les choses dans le bon sens, et c'est aussi pour ça qu'il a mis autant de temps à sortir. C'est qu'on voulait vraiment préparer une sortie, avoir vraiment du matériel, des teasers, des trucs un peu rigolos, des trucs plus dark et tout, pour vraiment accompagner en fait la sortie de cet album et essayer de pousser un maximum de gens à s'y intéresser. Justement, donc The Engine, est-ce que c'est un album concept? Si oui, y a-t-il un fil conducteur, un fil rouge sur cet album? Alors, c'est pas un concept album, mais par contre, il y a un concept autour de l'album. Un vrai concept d'album. Voilà, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Expliquez-nous exactement. Donc, non, je le laisse faire, il parle trop bien, là, il est parti. Tu te reposes, parce que la journée va être longue. Alors, ça, je vais lui passer la main dans pas longtemps. En fait, si tu veux, moi, quand j'écris les morceaux, je pense le truc en termes d'album, c'est-à-dire qu'en gros je me dis il faudrait un morceau avec tel tempo, un morceau avec tel groove, machin et tout. Donc du coup j'ai vraiment une vision d'ensemble quand j'écris vraiment les parties. Par contre, en termes de, quand tu parles de concept album, l'idée d'un concept album c'est que tous les textes soient reliés les uns aux autres. Un peu comme Dream Theater. Voilà, certains albums de Dream qui sont comme ça. Et là pour le coup les textes c'est pas le cas. Eric vraiment lui a eu envie de développer pas mal de choses, mais par contre il y a quand même un fil conducteur, il va t'en parler. Oui, au niveau des textes et au niveau des ambiances, de toute façon on voit bien que chaque morceau a sa propre identité, donc on n'est pas du tout dans le concept album. J'ai abordé un peu tous les thèmes, des thèmes divers et variés pour ce qui est des textes, et Nanou, enfin Stéphane, notre surnommé, donc alias Nanou, notre bassiste, a écrit deux textes aussi qui parlent d'autre chose. Par contre oui, dans le concept, il y a des choses qui sont conductrices au niveau du visuel et au niveau notamment d'une matière que j'ai inventée plus ou moins, ou que j'ai trouvée, enfin je ne dirais pas si elle existe ou pas, qui s'appelle la Evil Cream et qui est une sorte de potion
potion magique pour métalleux, en quelque sorte, oui. qu'on utilise dans notre scénographie. Sur scène, on utilise cette fameuse Evil Plume comme on l'utilise pour le visuel de l'album. On essaie d'avoir un univers qui se tient, en fait, visuellement, malgré la diversité de la musique. Donc l'Evil Cream, c'est celle-là, quoi. Donc c'est, on vous dirait la fiole, c'est ça, c'est l'Evil Cream, quoi. Tout à fait. C'est ça, c'est la fameuse Evil Cream. Qui n'est pas dangereuse pour la santé. Alors ça, je peux pas dire, mais j'en consomme sur scène et ça a quand même des effets assez dévastateurs. Quand tu dis consommer sur scène, est-ce qu'il y a justement une mise en scène sur scène avec une fausse potion, fatalement, mais... Oui, tout à fait. Enfin, moi, je tenais à ce que sur scène, on fasse quelque chose de spectaculaire. Puis bon, moi, je viens quand même du théâtre et je sais que l'impact, enfin l'intérêt pour moi d'un concert aujourd'hui, c'est vraiment qu'on regarde autant qu'on écoute. Et donc, je voulais absolument me servir de ça. Bon, ça a été du travail. Mais on a mis en place tout un procédé visuel comme ça, avec des accessoires, avec ce fil conducteur de la Evil Cream, avec cette machine, ce moteur qu'on utilise, d'où le truc The Engine Cries. Voilà, donc on utilise tout ça sur scène et du coup, moi, je transpire beaucoup aussi parce que je fais accessoiriste en même temps que chanteur pour l'instant. On n'a pas encore les moyens. On n'a pas encore les moyens d'avoir un accessoiriste en loge, en backstage. Donc voilà, on a toute une mise en scène et on est en train de travailler sur le DVD qu'on a tourné, qui est déjà monté visuellement en tout cas. Un DVD qui va sortir, on l'espère, dans moins d'une année. Ah bah c'est bien, le travail paye, comme on dit. Hein. Avec vos passes, vous êtes sur le fest depuis 3 jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un monsieur taré aussi dans le prog, mais vraiment aussi à côté de ses pompes, qui est Divine. Ouais. Est-ce que vous avez été voir son show déjà? Ouais. Et éventuellement, est-ce que vous êtes venu à sa conférence de presse? Non, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais j'ai malheureusement pas pu le voir cette année. Parce que j'ai dû arriver plus tard que prévu. Mais bon, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'a influencé aussi d'ailleurs. Même si on fait pas la même musique, j'ai malheureusement pas vu sa conférence de presse du tout. Alors moi pour le coup j'ai vu le concert mais je n'ai pas vu la conférence de presse. Et c'était la première fois que je le voyais en concert. Moi ça m'a bien parlé évidemment. Et puis surtout je trouve que le truc qu'il dégage sur scène est hyper sophistiqué et en même temps naturel. C'est-à-dire que tu sens que c'est travaillé et en même temps il n'est pas à des kilomètres je pense de ce qu'il est dans la vie. Tu vois, il a un truc vraiment... moi en tout cas j'ai beaucoup aimé son attitude sur scène et puis les Icos qui sont derrière évidemment c'est une grosse tuerie. Qu'est-ce qui cause bien? C'est bien quoi. Justement votre travail, donc tu dis que tu amènes des compositions puis tu la partages avec le groupe. Est-ce qu'il y a des fois les autres membres du groupe, pardon, est-ce qu'il y a des fois des chansons, des compositions qui naissent d'une jam? Pas du tout. C'est pas du tout l'esprit du truc. Non. En fait, si tu veux, moi je suis un gros psychopathe, j'écris les trucs à la double croche près. Et du coup, je suis assez casse-burne avec eux pour qu'ils jouent vraiment les trucs que je demande. Donc, un musicos qui sait lire la musique. Ouais, qui sait la lire et qui sait l'écrire. T'as entendu, jeune homme, hein. Et qui sait surtout l'écrire, à vrai dire, parce que je suis pas un super super lecteur. Mais par contre, j'écris facilement, j'écris pas avec l'instrument, j'écris vraiment un crayon papier et tout. Après, en studio, quand les mecs viennent enregistrer le truc, en fait, ils vont bosser les parties que je leur ai demandé et ils vont proposer des choses aussi. Genre le batteur, moi je voudrais faire tel break, machin, à cet endroit-là, je trouve que ça sonne mieux. Du coup, on enregistre tout, on regarde et puis moi après je fais le tri tranquille. Et du coup, il y a quand même pas mal de... Il y a une part d'interprétation et encore plus chez Eric, parce que Eric il a un rôle aussi, si tu veux, même si j'ai écrit la ligne de chant, après il va avoir quand même des petites parts d'improvisation, machin et tout. Enfin, du coup forcément pour qu'il puisse être libre dans son interprétation, donc je lui laisse quand même de la marge de manœuvre par rapport à ça. Donc voilà, ça fonctionne à peu près comme ça. Bon, on va dire que t'es le boss qui a la machinerie en main, puis tu délocalises aux collègues quoi, qui sont là pour apporter un petit peu leurs pattes. Oui, et puis leur, tu vois, par exemple, c'est con, mais moi,
je sais écrire pour un batteur, mais je suis pas batteur, donc du coup il y a des choses que je vais écrire qui vont être carrément galère à jouer, ou lui va me dire bah tu vois, si t'enlèves ce coup là ou tu mets ce coup là en plus, moi ça va beaucoup moins me galérer. Donc tu vois, voilà, ou Nanou par exemple qui me dit bah là je sentirais bien une petite descente ou un truc comme ça, moi j'y avais pas pensé, on teste et puis ça apporte de l'eau au moulin quoi. Et pour l'écriture des textes justement, est-ce que t'as libre choix ou tu dis ben voilà j'ai écrit ça, mais je vais quand même demander leur avis, ou alors ils te disent bon, fais confiance à 300 000%, vas-y. Ouais, j'ai le champ libre pour l'écriture des textes. Après, une fois que mon texte est écrit, une fois que j'ai fait mon truc, je le soumets à Phil essentiellement, et puis après on en discute. Et bon, mais même là-dessus il peut être casse-couille, hein, ouais. Ceci dit, moi là-dessus j'interviens que sur le côté rythmique en fait du texte, parce que souvent quand il vient, en fait il enregistre deux fois les chants Eric quand il vient travailler à la maison. La première fois on fait des genres de yaourt, c'est-à-dire où il n'y a pas forcément de texte, mais où il y a déjà des consonances, parce que souvent moi j'ai un peu ces idées dans la tête, et du coup le casse-tête chinois pour lui c'est d'arriver à mettre tout ça en ordre avec et que ça fasse une chanson à l'arrivée. Et c'est vrai que sur les consonances des fois je l'embête un peu, mais sinon par contre en termes de sens ça me paraît super important qu'il soit complètement libre. J'aborde les thèmes que j'ai envie d'aborder. Jusqu'ici on n'a pas eu de problème, je dirais que de toute façon on n'a pas été confronté à dire non ça tu peux pas le dire, c'est trop subversif ou je sais pas. Bon, pour l'instant on n'a jamais eu ce genre de soucis, j'ai toujours écrit ce que je voulais et aborder les thèmes que je voulais. Votre deuxième album, le premier album c'était d'autoproduction. Ouais, ça, on était chez Brennus pour la distribution. Ouais, donc je connais. Mais par contre en termes de prod, bah voilà, ça a été fait à la maison, comme le second d'ailleurs. Hein, la production de base a été faite aussi à la maison. D'accord. Et donc justement, pour vous c'est encore la rançon de la gloire, parce que maintenant vous êtes au Hellfest, vous recevez votre album. C'est quand même pas rien. Voilà. Ça vous fait quoi justement d'être là où elle fait, en plus où il y a du Pain Salvation qui ont joué, Divine Dancing, ça vous fait quoi de dire ben, on est là où elle fait, on promotionne notre album Et bah ça nous fait plaisir, parce que par exemple quand tu prends une bière et qu'à la table d'à côté t'as tous les membres de Bane of Salvation, et bah non, ça fait un petit truc Travovine, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est... de l'autre côté il y avait le Travovine. C'est un petit peu nos deux, façades, du coup la façade humour et la façade plus intello, on va dire, de la zig prog qu'on met en scène. Donc ouais, ça nous fait du bien, c'est cool, c'est un peu surréaliste même, mais. Et comment la Haute-Normandie, on va dire les Normands, hein, caractère de cochon, je sais, mon papa est normand, donc je me permets de le dire, comment justement se passe la scène en Haute-Normandie, métal, prog, est-ce que c'est, il y a beaucoup de choses ou pas? Alors, il y a beaucoup de groupes, mais il y a peu d'endroits pour jouer, et il n'y a pas d'endroits surtout qui soutiennent les groupes, c'est-à-dire que... Si tu veux, pour moi, ce serait un peu le rôle des SMAC et des salles subventionnées de faire émerger un petit peu la scène et d'aider. Et concrètement, sur le papier, pour les trucs pour la mairie et pour le conseil général, c'est ça qui est écrit. En réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et il y a assez peu de scènes underground. Et puis après, le problème aussi, c'est que, tu vois, par exemple, nous, vu qu'on a un show et tout ça, au niveau du son, on a pas mal travaillé le truc. On peut pas aller jouer dans un bar. Enfin, tu vois, ça va nous desservir parce qu'on pourra pas mettre en œuvre, tu vois, toutes les choses qu'on peut faire pour un show de Super Scream. Donc du coup, c'est quand même assez compliqué. Il y a pas vraiment de scène pour accueillir des groupes de métal, en tout cas à Rouen, parce que je pense que à Caen, qui est en basse Normandie, si je ne m'abuse, ça a l'air d'être un petit peu plus dynamique. Mais par contre, il y a des groupes et il y a des talents, ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Justement, donc là vous êtes en pleine, je veux dire, tournée promotionnelle, hein, de l'album, mais déjà en tête, est-ce qu'il y a des choses qui mûrissent pour. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de compositions sur le côté qui peuvent être prises pour un autre album déjà? Parce que bon, généralement quand on compose les 11 titres d'un coup et puis basta, on travaille que les 11 titres.
ou alors on compose, mais non, celle-là je prends pas, celle-là elle convient pas ou quoi. C'est ça qu'on a fait. En fait, il y a une trentaine de morceaux qui ont été écrits en fait pour ça, enfin pour The Engine Cries, et donc du coup, effectivement, potentiellement, moi dans mon ordi, j'ai encore pas mal de matière pour un éventuel troisième album. J'ai pas tout, parce qu'il y a des choses, si on les a écartées, c'est pas pour rien non plus. Ouais, il y a un bon tiers de l'album qui est déjà écrit, voire enregistré, parce qu'en fait on a enregistré plus de tutres que ce qu'on a mis sur le disque. Donc du coup, tout ce qui est basse, batterie, guitare, il y a déjà deux titres qui sont finalisés pour un troisième album. Ils sont vachement bien, on aurait même pu éventuellement les mettre, mais ça rentrait pas trop dans le concept de l'album, on va dire. Voilà, ça fonctionnait pas trop dans l'enchaînement. On se disait qu'il y en avait qui faisaient double emploi, qu'il valait mieux les garder pour un album. Exactement le truc dont je te parlais tout à l'heure, en fait, quand je te parlais de concept d'album. C'est-à-dire que quand t'as deux morceaux qui ont un peu le même tempo, un peu le même feeling, enfin tu vois, où ils se dégagent un peu la même chose, du coup je préfère les mettre sur deux disques différents, mettre les deux dans le même. Alors je sais que c'est pas du tout comme ça en ce moment que ça se passe, mais moi je préfère faire un disque où les 10 ou 12 morceaux ils sont complètement différents et qui racontent une histoire différente. Là, votre rêve, ce serait de jouer pour ouvrir pour qui? Votre rêve, ce serait pour ouvrir pour qui? Je dois pas avoir le même que toi, mais... En tout cas, moi, c'est pas dire Dream Theater, si c'est ça que tu penses. Moi, j'aurais trop peur, en fait. J'aurais trop le trac d'ouvrir pour Dream Theater, même si je serais super, super fan. Mais c'est des gens super cons, quand même. Ah oui, non, c'est vrai, il serait insupportable si on ouvrait pour Dream Theater. C'est vrai. Je pense que... Je confirme. Je pense qu'il faudrait que je... Lui mettre un pampers, peut-être, parce qu'il se fait suer. Il faudrait que je prenne des anxiolytiques, ou peut-être lui mettre un pampers. Alors, tu ne crois pas si bien dire. On a des projets là-dessus concernant les couches et tout, on a des projets. D'accord. J'en dis pas plus. Je suis au courant de rien. Je crains le pire. Non, moi ce serait. Moi j'aimerais beaucoup jouer avec Electric Mary ou Pain of Salvation, par exemple. Ouais, Pain of Salvation, c'est vrai que ce serait. Sinon il y a ce groupe, Haken. Haken, pour le coup, je trouverais ça pas inintéressant. Parce qu'en plus, ils ont. Haken, c'est un groupe post-Dream Theater. Tu vois, justement, ils ont ouvert un petit peu le débat, je trouve. Ils ont essayé d'envoyer le truc ailleurs. Et en termes d'écriture, c'est aussi très très large. Donc avec Haken, ça me paraîtrait intéressant. Et voilà. Mais j'aurais peur aussi, je pense. Sinon, pour ACDC, éventuellement, s'il reste une petite place au Stade de France, j'appellerai Angus pour. On anticipe. J'appellerai Angus pour demander. Et justement. Moi qui suis très fan du progressif, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois Dream Theater, Saga, qui tire leur révérence. Il y a deux phases de public dans la scène prog. Le public qui vont venir pour s'amuser, s'éclater, et le public qui vont le bras croisé et juger le musicos qui va attendre que le musicos prend un pain. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'attitude? Et on en voit énormément. Je peux te garantir que quand tu es dans le public, quand tu sors du pit photo, tu envoies les bras croisés qui attendent qu'une chose, c'est que Petrucci ou quoi, ils se prennent une gamelle. Quoi, ouais, ouais, bah, c'est, alors déjà, c'est pas très très bon esprit. Et puis, j'ai envie de te dire, avec nous, ils vont pas être déçus parce qu'en fait, nous, on privilégie clairement le show. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu. Tu vois un groupe comme Dream Theater, moi, je les ai vus plein de fois en concert, j'adore. Mais par contre, à regarder, tu compares Guns N' Roses et Dream Theater, moi je préfère voir un concert de Guns N' Roses et écouter un concert de Dream Theater, tu vois. D'accord. Et sauf que, comme on l'a dit, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça, justement, parce qu'on a eu pas mal de phases dans le live où on cherchait. Et aujourd'hui, on se dit qu'on préfère donner un show intégral. Et qu'il y ait des pains, parce que de toute façon, quand tu cours d'un bout à l'autre de la scène, faut pas rêver, il y en a quand même 2-3 qui vont à côté, tu vois. En plus, vous êtes humain, hein, vous n'êtes pas des machines. Hein. Oui, et puis, une fois de plus, on a vraiment envie, tu vois, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, moi j'étais moins branché par le show qu'Eric, en fait. C'était un truc au départ, moi j'avais peut-être un peu plus ce côté progueux, tu vois, de base. Et un jour, j'ai vu Alice Cooper sur scène, à Hellfest, justement, et je me suis dit, ouais, bon, bah, en fait. C'est bon.
bon, en fait, lui, il a tout compris et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et à partir de ce moment-là, on a commencé, ça a été le feu vert pour déclencher ce truc-là. Mais en fait, du coup, tu viens pas voir un concert, tu viens voir un spectacle. Et à l'heure où il y a énormément de groupes et où c'est super difficile de se démarquer, bah, je pense que c'est plus intéressant pour un groupe de prog d'essayer de développer un show que d'essayer de rejouer à l'identique le truc, sachant que entre enregistrer chez soi peinard en studio et en faisant le con, tu vois, devant 5000 personnes, bah forcément t'as pas la même pression et tu vas pas jouer forcément de la même manière, quoi. Et le fait d'illustrer, moi j'aime beaucoup illustrer mes textes sur scène parce que bah, bien souvent c'est beaucoup plus simple avec du visuel d'illustrer un texte que enfin, les gens, à un concert, il y a trop d'informations, ils vont pas forcément, déjà le son est pas forcément suffisamment là pour qu'ils entendent ce que je raconte. Et c'est toujours très compliqué, ils ont pas forcément que ça à foutre, ils parlent pas forcément anglais. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que c'est assez passionnant d'illustrer visuellement les textes des chansons. Voilà. Un peu comme, ça sera un peu comme Queen's Rage, je l'ai fait avec le Operation Mindcrime. Tout à fait. Qui était extraordinaire, quoi, d'ailleurs. Voilà, ben je vais vous laisser le mot de la fin, les amis, parce qu'on est attendu sur les autres interviews aussi, quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos auditeurs, nous avons commencé par toi. Eh ben, moi, ce que j'espère, c'est que vous allez être très très nombreux à écouter The Engine Christ de Super Scream, parce que c'est vraiment un album de passionnés pour les passionnés. Pour les passionnés de musique, pour les passionnés de hard rock, pour les passionnés de métal, pour les passionnés de mélanges étranges. Et voilà, j'espère que vous allez aimer cet album parce que nous on a aimé le faire. Il y a une super pochette de ouf sur laquelle j'ai bossé comme un gros malade de dingue. Ah, c'est toi qui l'as fait en plus? Ouais, enfin c'est Stan WDKR qui l'a fait, mais bon, ça a été beaucoup de travail pour trouver justement la bonne personne pour la réaliser. Et surtout même au niveau du packaging, on a, voilà, j'ai bossé avec lui sur une découpe de vagues particulière. Voilà, on voulait faire un bel objet. Donc cet album, il est aussi intéressant de se le procurer en physique, ouais, parce que c'est un objet particulier et voilà, je tenais à dire ça. Et puis même par respect pour le groupe, je tiens à le préciser, quoi. Téléchargez pas, vous achetez moins de shop et achetez-vous un album, c'est la vérité, quoi. Ah bah. Voilà, c'est ce que je pense aussi, mais bon, c'est un peu facile à dire. Mais ce que je pense aussi, sinon le mot de la fin, je sais pas. Non, ça je l'ai déjà dit. Voilà, ben non, j'en ai pas d'autres, hein, de mots de la fin. Ok, merci beaucoup.